It's happening. L'année 2022 vient tout juste de se terminer, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a eu le droit à une année extrêmement riche sur tous les points de vue. J'ai alors décidé, pour la première fois, de vous offrir un petit post-scriptum de l'année. Mais loin de moi l'idée de vous raconter ma vie et de vous faire un débrief de mon stage et mon entrée en master, je me suis dit qu'il serait intéressant de passer en revue succinctement les moments forts en termes de culture populaire et médiatique de 2022. Donc voilà, je préfère prévenir, le but de cette vidéo n'est pas du tout de faire une rétrospective de mon année 2022, qui a été plutôt une bonne année, au cas où ça intéresserait certaines personnes. Voilà, sur YouTube, je suis très content du format qu'on a trouvé. Vous allez voir, il va un petit peu évoluer dans les prochaines semaines pour offrir une dose de renouvellement. Il y aura aussi un petit renouvellement dans les sujets. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous dis ça, c'est même pas parce que, enfin, j'y poste rien, je gagne pas d'argent avec Instagram, je m'en fiche. C'est juste parce que souvent j'échange avec vous sur ces sujets pour vous rendre un peu actif dans le développement de la chaîne YouTube. Donc voilà. Rien à signaler, désolé, vous aurez pas du bon petit drama, j'ai pas à vous raconter mes peines, mes joies, mon bonheur de cette année, parce que ça a été une année assez normale. Je préfère prévenir, j'ai dû faire des choix et des arbitrages, donc il se peut que la vidéo possède quelques manques dans ces cas-là, n'hésitez pas à les signifier en commentaire. Aussi, elle va se construire en deux parties. Une première chronologique, où je rappellerai les éléments marquants de chaque mois. Je ferai un petit commentaire très rapide pour éviter que la vidéo dure 4 heures, surtout que parfois j'y ai déjà consacré une vidéo. Et une deuxième partie avec une analyse et un bilan plus global. Une chose est sûre, c'est que l'année n'a pas démarré sur les chapeaux de roue. Encore marqué par le rouleau compresseur Spider-Man No Way Home, sorti au milieu du mois de décembre, on ne note aucun gros blockbuster à l'affiche dans nos salles françaises. Cependant, j'aimerais noter qu'on a eu le droit au rattrapage de deux films déjà sortis aux États-Unis, un phénomène dont on reparlera plus tard dans la vidéo, et qui ont fait partie de mes films préférés de l'année. Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, véritable chronique semi-biopic, semi-fiction et ode aux années 70, dont l'univers et les personnages m'ont complètement charmé, et Nightmare Alley, le remake de Guillermo del Toro dans un décor de fête foraine américaine vintage, entre films de magie néo-noir et thriller haletant, tous les deux portés par un Bradley Cooper très très en forme. On peut également noter la sortie de la réunion du casting d'Harry Potter sur HBO Max. Sans aller jusqu'à dire qu'elle a fait un flop, j'ai l'impression qu'on a affaire à un reste de la période Covid. En effet, les confinements ont, très ironiquement vous me direz, vu se rassembler d'anciens collègues de travail au sein de franchises cultes. On se souvient de la réunion Friends, mais on a eu le droit à The Office et même High School Musical. Ça permettait de surfer sur l'effet nostalgie, dont on a déjà parlé, tout en évitant d'écorcher l'œuvre originale, en faisant la suite de trop. Un stratagème assez malin, mais qui, je pense, a montré ses limites et devient un peu redondant, et qui va donc, selon moi, s'évaporer petit à petit. En février, les choses commencent à bouger un peu. Si j'ai été personnellement conquis par la série dystopique Apple TV Severance, qui est allée me chercher dans un genre que j'adore, et qui a malgré tout fait son petit bruit, même si limité à une petite niche, le grand public avait remis au film Uncharted de cartonner en salle. Alors, quand on voit un film d'action porté par Tom Holland et Mark Wahlberg, on pourrait se dire que c'est simplement la logique des choses. Mais ça serait oublier les nombreux déboires des films adaptés de jeux vidéo, et particulièrement la licence Uncharted, dont le film est en pré-production depuis une bonne dizaine d'années, et qui, avec Sonic, a quand même réussi visiblement à remplir le contrat. Du côté de la musique, on a le droit à deux albums d'ampleur assez importante, chacun dans leur domaine. Vald, avec son album V, calibré pour cartonner, mais recevant un accueil critique plus mitigé et son lot de polémiques, et The Weeknd, qui revient après le classique After Hours avec Down FM, un album que je trouve réussi, mais qui souffre forcément de la comparaison avec son prédécesseur, malgré quelques excellents titres. Je vais pas vous mentir, en mars, ça commence à chauffer. Cyprien annonce dans un coup d'éclat médiatique sa séparation avec Squeezie, ce qui met en émoi le web francophone. On avait analysé cette annonce et les réactions qui ont suivi, tout comme on avait parlé du retour de Stromae. J'en profite pour réaffirmer ma position sur son retour, que j'ai trouvé bon mais assez décevant vu les attentes qu'on pouvait en avoir. Mais le vrai basculement a lieu, contre toute attente, durant une cérémonie des Oscars qui pourtant s'annonçait bien morose. Je me souviens exactement être devant ma télé avec mes potes, entre l'étonnement, l'incompréhension, face à Will Smith qui se lève mettre une claque à Chris Rock en direct sur scène. Lui qui voulait venger sa femme d'une mauvaise blague, il avait probablement été trop pris
par The Batman, dont il sortait sûrement de la séance. Sorti le même mois, le film de Matt Reeves fait partie pour moi des grosses attentes de l'année qui ne déçoivent pas, malgré le risque important que comporte toujours le fait de refaire une adaptation d'un héros très connu. Le mois d'avril se calme un peu. En France, les yeux sont tournés vers l'élection présidentielle. Cela ne suffit pas à expliquer l'échec cuisant au box-office du dernier volet de la saga Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, dont tout le monde semble en avoir rien à faire. Personnellement, je n'ai vu aucun des trois films et je crois que ça risque pas de changer tout de suite, à moins que j'en fasse une vidéo. Un autre échec est la saison 5 de Elite, qui a connu un petit bad buzz, mais j'en viens à me demander si c'est pertinent de le mentionner, tellement j'ai l'impression que plus personne regarde. En mai, par contre, ça rigole plus du tout. Deux énormes blockbusters vont venir écraser le marché musical et cinéma. D'un côté, le retour d'Harry Styles avec Harry's House, dont on a déjà parlé, et de Kendrick Lamar avec un album qui... pas pleinement convaincu après plusieurs années d'absence. De l'autre, Doctor Strange 2, la nouvelle super production Marvel qui entend explorer le multivers, qui convainc et qui moi personnellement m'a convaincu sans soulever les foules, mais surtout Top Gun Maverick. Le legacy quel du film culte avec Tom Cruise qui réalise un carton absolument historique que peu de gens avaient vu venir. Le mois de juin est celui de la déception pour moi. Qu'il s'agisse du retour de Nekfeu au sein d'un album escrou sans saveur ou une série Obi-Wan en pilote automatique et que tout le monde semble avoir oublié. Je suis également obligé de mentionner le procès surmédiatisé, y compris par moi, entre Johnny Depp et Amber Heard qui a vu les réseaux sociaux devenir un pugilat et TikTok une cour d'assises. Au sein des fans de K-pop, la joie ne règne pas non plus, puisque le groupe BTS annonce officiellement une pause dans les prochains mois afin que certains membres réalisent leur service militaire. Et on sait ce que ça a donné la dernière fois qu'un boys band ultra populaire a annoncé faire une pause. La nouvelle saison événement de Stranger Things sort en juillet dans un format de plus en plus incompréhensible, en plusieurs parties avec une partie de plus de 2 heures. Aussi, Thor 4 nous rappelle que le MCU a décidément besoin d'un renouveau et de scénaristes et de réalisateurs et de laisser le temps aux gens des effets spéciaux de faire des effets spéciaux corrects, s'il vous plaît. Et Beyoncé décide de revenir en lâchant une petite bombe avec son nouvel album à la fin du mois. Le mois d'août, et on ne peut plus calme. On notera la sortie 6 mois après les États-Unis à cause d'un problème de distribution autour d'un 24 d'Everything Everywhere All At Once, le succès surprise majeur de l'année aux États-Unis, qui avait pu bénéficier là-bas de l'engouement autour du multivers grâce à No Way Home et Multiverse of Madness, tout en montrant bien qu'avoir des auteurs derrière un film, bah c'est utile. Un engouement dont la sortie en France ne bénéficiera malheureusement pas. Mais honnêtement, je vous conseille, c'est vraiment un super 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 film. Et on peut relever le carton immense de l'Hôtel Mafouf, la boutique éphémère de Lena Situation, à l'occasion de ses vlogs d'août. En septembre, on a Le Retour de l'Homme Pâle dont on a parlé, le film Le Visiteur du Futur qui sort au cinéma et vient consacrer toute une génération d'internet en France, mais on a surtout l'immense duel entre la série House of the Dragon d'HBO, préquel de Game of Thrones, et Rings of Power de Prime Video, préquel du Seigneur des Anneaux. Si la compétition apparaissait disputée au départ, difficile de ne pas désigner la première grande vainqueur de ce combat. Et celui à qui tout réussit cette année, c'est Squeezie. Le pseudo-clash avec Cyprien paraît bien loin alors qu'il bat le record de viewers en direct sur Twitch à l'occasion de son GP Explorer en octobre. Record qui sera battu par le 11 All-Stars d'Amine, France versus Espagne quelques semaines après. Un succès qu'aurait bien aimé goûter Elon Musk qui rachète Twitter au même moment et qui va enchaîner catastrophe sur catastrophe, mais qui aura le droit à sa vidéo dédiée sur le sujet en temps voulu. En fait, en temps voulu, c'est la semaine prochaine normalement. Côté série, Dahmer connaît un engouement dérangeant et Taylor Swift s'affirme comme une des plus grandes artistes pop du 21e siècle. En novembre, Netflix décide de continuer les succès morbides avec Wednesday et sa danse TikTok, alors que la plateforme lance officiellement son offre avec publicité pour une réussite qu'on ne peut pas encore estimer. Dans le même temps, Black Panther 2 essaye de sauver les meubles après une production digne des pire film catastrophe ou d'une tragédie grecque. Le mois de décembre s'ouvre à nouveau sur un scandale médiatique concernant les influenceurs. Alors que plus tôt dans l'année, une guerre avait fait rage entre Magali Berda et Booba, cette fois c'est Norman qui se retrouve en garde à vue pour des accusations d'agression sexuelle, notamment sur mineurs. Quelques semaines après les accusations à l'encontre de Léo Grasset, et quelques jours avant l'article de Numérama consacré à In The Panda, les premiers effets concrets de Balance Ton YouTuber commencent à se faire ressentir par-delà la sphère du web. Enfin, Avatar 2, la suite du film au top du box-office de tous les temps, sort au cinéma, 13 ans après l'original, et se dirige vers un nouveau succès monumental. Même si, personnellement, j'ai été qu'à moitié convaincu, notamment par le scénario. D'ailleurs, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quels sont vos tops et vos flops de l'année, tout confondu. Essayez de mettre, je sais pas, un album, un film, une série que vous avez vraiment aimé. Personnellement, si je dois faire ça, j'avoue que c'est compliqué de choisir un film. Je vais dire Licorice Pizza,
parce qu'il faut en sortir un, mais il y en aurait plein d'autres qui seraient quasiment ex aequo si je devais faire un vrai top. En album, j'ai beaucoup aimé l'album de L'Homme Pâle, mais aussi l'album Dizzy Life, qu'ils ont sorti là en octobre, que je trouve vraiment leur meilleur album. Bon, ils en ont fait que deux, mais je trouve que c'est vraiment un super album. Je vous le conseille. Et en série, j'ai pris une petite claque, pas une énorme claque, mais du coup avec Severance, dont j'ai parlé un peu plus tôt, disponible sur Apple TV, que pareil, je conseille, et qui a été une très très bonne série, même si House of the Dragon n'est pas très loin. Pour ce qui est des flops, je vous avoue que j'ai pas trop envie d'en donner. J'ai quelques flops forcément, notamment en film, des films que j'ai vraiment pas trop aimé, mais pas trop. Des séries, j'en ai pas, parce qu'en fait, si j'aime pas et si ça a pas l'air de m'intéresser, je regarde pas, je perds pas de temps. Et en album, si vous vous souvenez de quelques vidéos que j'ai faites sur la chaîne, où j'ai parlé de certains albums, un peu décevant, bon, bah ils sont probablement dans la liste, mais vous n'hésitez pas en tout cas à me dire vos tops et vos flops, ça m'intéresse, ne serait-ce que pour voir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Bon, là vous vous dites que c'est gentil, que c'est un joli résumé de l'année, mais à quoi ça mène de raconter tout ça? En fait, en repensant à l'année écoulée et à la manière dont on l'a abordée à son début, j'ai remarqué quelque chose de très frappant. 2022 est la première année sans Covid depuis 2020. Non pas qu'il ait complètement disparu, mais son impact sur notre vie quotidienne et sur la pop culture s'est très peu fait ressentir. Contrairement à 2021, où les voyages internationaux, les jauges et autres couvre-feux posaient encore problème. Ce que je souhaite souligner en rappelant ça, c'est qu'il s'agit de la première année de l'expression médiatique qui a été beaucoup employée en 2020, du « monde d'après ». Celui qui viendrait après la pandémie, et qui verrait nos modes de vie, et aussi nos formes médiatiques et de culture de masse, ce qui nous intéresse, bouleversé. Celui qui verrait la mort des salles de cinéma, la fin des concerts et des festivals, l'avènement de nouveaux artistes sur TikTok au profit des anciens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que 2022 a fait office de retour à la réalité très violent pour les tenants de cette théorie. Si on regarde les plus grands succès de l'année, et ce, quel que soit le domaine, on peut y voir un conservatisme impressionnant. Le plus frappant a sûrement lieu pour le cinéma, qu'on annonçait destiné à finir sur les plateformes de streaming, et qui selon moi a quasiment prouvé l'inverse. Certes, la fréquentation des salles obscures n'est pas forcément au beau fixe, mais les plus gros succès de l'année sont des films sortis exclusivement en salle, et Warner Bros. A abandonné fin 2021 son idée de sortie simultanée, notamment après l'échec cuisant de Matrix 4. Une idée qui aurait été renforcée par le carton de l'année du concurrent Paramount, Top Gun. Et Top Gun, c'est le conservatisme, pas le message du film, mais aussi son atmosphère, son côté très premier degré, pas cynique, et qui se veut comme une expérience de cinéma. Il en va de même pour Avatar 2 et ses 3h10, qui semble un film tout droit sorti des années 2010, tant la plateformisation et l'arrivée de Netflix semblent ne pas du tout l'avoir impacté. Le recul des plateformes me semble quasiment omniprésent. Au-delà des chiffres décevants de Netflix, on peut aussi apercevoir un échec dans le duel House of the Dragon Rings of Power, qui a vu HBO, la chaîne historique, avant tout linéaire, s'imposer face à l'outsider aux millions de dollars Prime Video. Au niveau des artistes musicaux, c'est bien Beyoncé, The Weeknd, Harry Styles, Taylor Swift ou encore Kendrick Lamar qui ont réalisé les meilleures performances, des artistes déjà bien en place. Cette année, on n'a pas vraiment eu de Billie Eilish ou de Olivia Rodrigo pour venir bousculer ce beau monde bien établi. Dans une certaine mesure, même le procès entre Johnny Depp et Amber Heard peut être vu comme un recul et une survivance d'une forme de conservatisme selon la manière dont on se positionne, soit sur la crédibilité des femmes témoignant d'agression, soit sur la libération globale de la parole sur le sujet. Le seul vrai changement a eu lieu sur le sujet des youtubeurs pour moi. On a véritablement assisté à une transformation du traitement médiatique des accusations à leur encontre, avec des médias généralistes et la justice qui se sont emparés de l'affaire. Mais quand on y pense, le hashtag est sorti en 2018, il y a 4 ans, et des témoignages existaient déjà auparavant. A l'époque, je me souviens, tout le monde disait que c'était la fin des youtubeurs, et particulièrement ceux concernés. Et ce phénomène, je l'ai étudié en cours, et ça s'appelle le réflexe panique. En effet, notre pensée et notre appréhension des médias et de la culture populaire se reposent sur cette pensée vulgaire, doxale, qui penserait les évolutions sous la forme de basculement d'un monde vers l'autre. C'est ceux qui criaient à la mort de la télévision à l'arrivée d'Internet, à la mort des salles de cinéma à l'arrivée de Netflix, à l'abrutissement des masses à l'arrivée des réseaux sociaux. Le terme de panique vient du dieu grec Pan, qui est entre autres le dieu de la peur collective et de la foule hystérique. Il était réputé pour semer la panique durant les combats en arrivant dans un fracas monstrueux. Pan est aussi le dieu de la totalité. Il produit une terreur et laisse penser que le monde d'avant ne sera plus le monde d'après. Et d'ailleurs, ce réflexe panique, il se vérifie constamment auprès des médias et des youtubeurs, y compris moi. Nos vidéos sont toujours titrées « La fin de », « La mort de », « La disparition de », car cela va aller chercher dans les billets de l'audience ce réflexe panique, cela va lui offrir la promesse d'un dévoilement, d'un basculement, dont il serait un des
premier à connaître l'existence et à comprendre les mécanismes. Or, la réalité est très souvent bien plus nuancée, mais surtout, les évolutions sont bien plus étalées. Il y a une pensée commune qui est de l'ordre de la passion nécrologique. On rêve de voir et comprendre comment un élément culturel et médiatique peut s'effondrer. Et si j'avais envie d'axer un peu toute ma vidéo autour de cette notion de tentation en panique, de faire un peu cette prise de recul qui me paraît nécessaire sur l'année 2022, c'est parce que pour moi, on vit dans une société, on vit à une époque qui, on le sait, est à une surcharge d'informations, d'images, tout le temps, constamment. Il y a toujours un nouvel événement, il y a toujours un bad buzz, il y a toujours un good buzz, il se passe toujours quelque chose tous les jours en tendance sur Twitter. Il y a un nouvel événement qui donne l'impression de changer la face de la Terre, tout simplement parce que les gens qui travaillent dans les médias, et je m'inclus dedans en tant que youtubeur, sont obligés de vous faire croire que ces événements vont changer la face de la Terre, parce que c'est ça qui va réussir à capter votre attention. Et dans l'économie de l'attention dans laquelle on est, le meilleur moyen de capter votre attention, c'est de vous dire « Fais gaffe, regarde, cette information, elle va changer le cours de l'histoire de l'humanité. » Alors que si jamais on disait juste « ce film, c'est pas terrible. Netflix, effectivement, ils ont beaucoup d'abonnés parce que c'est le confinement, donc les gens sont chez eux. Bon, à voir. » forcément, ça attirerait moins, ça créerait moins de débats, ça créerait moins d'engagement, moins de clics, moins d'attention. Mais je pense que si c'est normal et c'est leur travail que les médias jouent un peu ce jeu du fait de brouiller un peu les pistes et de rendre flou un peu la hiérarchisation des informations, c'est aussi à nous, en tant que public, d'être assez conscients et de réussir nous-mêmes à faire cette hiérarchie, à dire « Ok, bon là, on est clairement sur une tentation panique d'une personne qui parle d'un basculement qui, en fait, peut-être aura jamais lieu et peut-être un petit peu exagéré et il nous faut peut-être un peu plus de temps que ça. » Mais en réalité, ce qui semble annoncer un basculement radical dans un nouveau monde relève d'une réflexivité vulgaire, qu'on appelle donc en science de l'information et de la communication la tentation panique. C'est la doxa, c'est le discours médiatique, c'est le préjugé. Je trouve que prendre du recul sur l'année écoulée, en souligner les réussites et les échecs, permet selon moi de relativiser le plus souvent ces grandes prophéties, exagérées ou inexactes, dans le but de donner l'impression de proposer un discours disruptif. Et c'est ce qu'on essaye de combattre chaque semaine sur cette chaîne. À dimanche prochain, 15h. This year was supposed to be great. Well, it's only the second day and I'm a loser with stupid leather pants that don't even fit. No, you're not a loser. If you like this video, you might like this one about the death of pop culture. Just click on it. I promise you won't be disappointed. You can trust me. See you next Sunday at 3 p.m.